C'est vraiment une nouvelle qui a attristé tout le monde, choqué, étonné. Ce drame, évidemment, qui a coûté la vie à un enfant. Les accusations qui ont été portées de négligence criminelle causant la mort. Puis dans négligence criminelle causant la mort, on déduit ou on comprend qu'il n'y avait pas d'intention, qu'on n'a pas visé quelqu'un avec une arme à feu. Que la couronne, les procureurs de la couronne, le DPCP, ont considéré qu'on avait un dossier où manipulation d'armes à feu de façon irrégulière, prise de risque démesurée, ben c'est plus qu'un accident. C'est un accident résultant de négligence. Évidemment, il n'y a pas de verdict de culpabilité. Il n'y a pour l'instant que des accusations déposées. Mais c'est une tragédie, évidemment, qui ébranle toute cette famille. On dit que le bambin était d'ailleurs gardé chez des membres de la famille. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est un cas où le jeune garçon était ici, au Québec, avec sa mère. Le père et les deux plus grandes sœurs sont toujours en Algérie et prévoyaient de venir éventuellement, une fois obtenus tous les documents, faire leur vie au Québec. Le père est toujours en Algérie. Il a accepté de nous parler. Idir Otmani. Bonjour, M. Otmani. Bonjour, monsieur. D'abord, avant toute chose, nos plus sincères condoléances de tout cœur. On est avec vous dans cette épouvantable épreuve. Merci, c'est très gentil. Racontez-nous un peu d'abord comment vous avez appris la tragédie à notre heure et survenue vers l'heure du souper. En Algérie, c'était début de la nuit. Comment vous avez appris la triste nouvelle? C'était vraiment un choc émotionnel. C'était un cauchemar, j'arrive pas à croire. Donc, je n'ai jamais imaginé une telle chose arriverait à mon fils ou à quiconque. Vraiment, c'est inimaginable. Il n'y a pas de nom à décrire ça. Ouais. Je le disais d'ouverture, donc, vous êtes, vous, dans une famille qui était momentanément séparée, là, c'est-à-dire que seule votre conjointe et ce petit garçon étaient au Québec. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc, on avait un projet pour s'installer au Québec, pour faire grandir nos enfants là-bas. Donc, c'est un rêve canadien. Donc, c'est un rêve canadien. Donc, c'est ça. Et donc, votre conjointe avec le petit garçon, ils étaient chez de la parenté. Donc, les plus grands, c'était des cousins? Oui, c'est des cousins. Donc, l'enfant, il était chez son oncle, le maternel. Donc, ma femme a été chez son frère. C'est des cousins plus proches. Ouais. C'est pas des cousins de lointain. Ouais. Je comprends de ce que j'ai lu de vos propos que vous considérez, vous, que ce qui est arrivé est un accident? Oui, c'est un accident. Donc, ça peut arriver au plus malin. C'est un jeune, c'est un adolescent, c'est des erreurs d'un adolescent, donc c'est pas voulu. Donc c'est un accident. C'est un accident, ça arrive. Ça arrive, donc on peut pas le juger, puisqu'il était bien avec lui. Donc mon défunt fils, donc il était l'ange de la famille. Donc il les ramène pas dans les grandes surfaces. Et il ne leur a même pas à se promener, il achète ce qu'il veut, les habits, manger, les bonbons. Il manquait de rien là-bas. Les grands cousins et cousines s'en occupaient bien, selon votre lecture. Bien sûr. Donc, ils l'ont considéré comme un petit frère. Donc, c'est un petit frère pour eux. Je comprends, je vous entends bien quand vous dites que c'est un accident, ça n'a pas été voulu. Il y avait quand même des gens qui jouaient avec une arme à feu ou qui travaillaient ou qui nettoyaient ou je sais pas quoi, mais qui manipulaient une arme à feu en présence d'un petit enfant. J'étais pas sur place pour vous dire ça. Donc, j'ignore les circonstances. J'ignore ce qui vraiment s'est passé là-bas. Donc, pour vous répondre, je suis vraiment désolé. Je comprends. Donc, j'ai pas... Vous n'avez pas les détails. J'ai confiance à la justice canadienne. Donc, c'est à eux de faire leur travail, c'est à eux de déterminer les circonstances
et l'ancien d'Angers. Moi, pour, mais... moi, je suis en Algérie, eux sont au Canada, à Montréal. J'ai aucune idée donc, ce qui s'est vraiment passé. Mais vous n'en voulez pas, là. Vous n'êtes pas fâché contre ces gens-là. Là, non, 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 non. Dans des circonstances difficiles, je les soutiens. Donc, je ne suis pas inconnu envers eux. Ouais. Je les soutiens. Donc, comment dirais-je, mon fils, c'est le destin, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, Inch'Allah, le bon Dieu là, qui est dans son vaste paradis. C'est un ange du paradis. Mm-hmm. Le bon Dieu a besoin de lui. Il a pris son âme. Qu'est-ce que tu fais que je fasse? Monsieur Otmani, comment se porte tout le monde? Comment se porte votre conjointe? Comment se portent vos deux autres filles, les grandes sœurs? On est vraiment abattu. On aimerait bien être unis. On aimerait bien être unis. Donc, moi, ce que je demande aux autorités, une facilité, les choses, de me délivrer le visa pour rejoindre ma femme et être là-bas entouré. C'est ce qu'on craignait, évidemment. On parle, je comprends que M. Otmani, de surcroît, est en déplacement. Il a accepté de nous parler, mais est en déplacement en Algérie. Donc, c'était un risque, là. On voulait lui parler, mais c'était un risque que la communication coupe. Remarquez qu'on a bien entendu à la fin. Donc, il espère obtenir ce visa des autorités canadiennes, ne serait-ce que pour venir là, aux cérémonies funéraires de son fils. M. Otmani, on allait parler de votre visa. Là. Vous nous parliez de votre espoir de voir les autorités canadiennes vous délivrer un visa, parce que pour que vous-même ou vos filles puissent participer aux cérémonies funéraires en l'honneur de votre petit garçon, il vous faut une permission de venir au Canada, là. Oui. Donc, je lance un appel d'itresse pour les services d'immigration, pour les services concernés, les services du ministère des Affaires étrangères, le consulat ici en Algérie, le service qui se charge des fameux visas pour rejoindre la moitié de ma petite famille, mes deux filles pour assister aux funérailles de mon fils et l'enterrer avec mes propres mains. Donc les funérailles qu'il faut, des funérailles dignes d'un enfant d'un ange qui est parti soudain à l'âge de 3 ans. Vous voulez qu'il soit enterré ici au Québec ou rapatrié en Algérie? Non, j'aurais aimé. Cette question, ça reste toujours à poser. Ça reste à poser. Donc, mais le rêve familial, c'est d'aller au Canada, c'est faire une belle vie au Canada. C'est le rêve canadien. C'est le rêve canadien. Ouais. Donc, qui tourne, comme vous nous l'avez dit, qui tourne en cauchemar. Vous-même, je vous parlais des autres membres de votre famille, mais vous-même, vous vous portez comment avec cette nouvelle? Donc, c'est émotionnel. Il n'y a pas de mots à décrire tout ça. Il n'y a pas de mots. Je n'aurais pas trouvé des mots pour ça. Je comprends bien. Monsieur Otmani, nos cœurs sont avec vous. Toutes nos condoléances. Merci. Merci de nous avoir parlé ce matin. Bonne chance pour la suite. Merci à vous de même. Merci. Merci. Merci pour tout le monde. Au revoir, monsieur. Idir Otmani, donc le père de ce petit garçon de 3 ans qui est mort dans des circonstances bien tragiques. Je vous fais un peu le fil des événements. Alors, on repart de lundi soir, fin d'après-midi, presque à l'heure du souper, un peu passé 17 heures. Les policiers sont appelés, 34e avenue à Bois-des-Filions. Arrivé sur place, là, constate donc un bambin très grièvement blessé. Tente des manœuvres de réanimation. Malheureusement, rien n'y fait. Là. C'est un constat de décès qu'on doit faire sur place. Les policiers procèdent alors à l'arrestation de 3 suspects. Ce qu'on comprend maintenant là, du témoignage du père, être 2-3 frères et sœurs, là, 2 jumeaux de 19 ans et leur sœur plus jeune de 17 ans. Ils étaient les cousins-cousines du petit bonhomme.
Deux des trois suspects sont rapidement libérés après les avoir interrogés. Et Yacine Mehenaoui, 19 ans, accusé de négligence criminelle causant la mort. Je vous le disais plus tôt, là, je ne suis pas avocat, là, mais on comprend de négligence criminelle causant la mort, qu'il n'y a pas volonté, là, qu'il n'y a pas, c'est pas un meurtre, il n'y a pas de volonté de tuer. Mais que le procureur considère qu'il y a eu, souvent les avocats nous parlent d'une prise de risque déréglée, là, en dehors des normes, un comportement qui met la vie des autres en danger d'une façon qui est déréglée. L'autre problème qui fait qu'il y a aussi des accusations d'entrave à la justice, c'est que l'arme du crime, l'arme dont le coup est parti, est plus trouvable. Elle a été recherchée dans toutes les poubelles partout. Elle a été recherchée par des plongeurs dans la rivière des Mille-Îles, qui est tout près à Bois-des-Filions. Et aujourd'hui, donc, on aura retour en cours de Yacine Mehenaoui. Vous avez entendu le père du petit garçon nous dire il y a quelques instants que lui n'en voulait pas là, aux jeunes en question, aux cousins et cousines, qu'il considérait que c'était un bête accident. Donc, je vous revoyais là, la liste des trois accusations pour l'instant déposées. Négligence criminelle causant la mort. Possession d'une arme à feu illégale. Remarquez qu'il reste une zone grise, une zone d'ombre. À qui est l'arme à feu? Des armes à feu de ce genre-là, des armes à feu doivent être rangées. Les munitions, tout ça doit être rangé. Il y a des règles en matière de possession au Québec, au Canada. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cette arme-là? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Est-ce qu'on jouait avec? Est-ce qu'on la nettoyait? Est-ce qu'on s'amusait? Disons qu'il y a peu d'incertitudes autour de ça. Et les autres accusations, bien, c'est toute la notion d'entrave à la justice à partir du moment où tu fais disparaître des preuves, des éléments importants, comme dans ce cas-ci, l'arme dont le coup de feu est parti, bien, tu t'exposes à une entrave à la justice.